Adzopé sera le théâtre des activités liées à la 13e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a déployé la grande artillerie. 4 véhicules, dont 2 véhicules de maternité et 2 de consultation de médecine générale. Actuellement, nous sommes dans le véhicule de maternité avec 3 compartiments. 2 lits de consultation de gynéco et puis 1 lit de consultation médicale. L'autre camion, il y a 2 lits de consultation de médecine générale et puis un box d'enregistrement. Les agents de la direction départementale de la santé d'Adzopé et les agents du programme national de lutte contre le paludisme constituent l'équipe de coordination. Nous sommes venus aujourd'hui pour intensifier les activités. Il aura à vous dire de quoi il s'agit, mais c'est d'intensifier la prise en charge du paludisme dans les quartiers précaires. Vous êtes sans ignorer qu'avec la COVID-19, la population ne fréquente pas les centres de santé. Et nous avons une augmentation des cas de paludisme grave. Et qui dit cas de paludisme grave, dit l'augmentation des décès liés au paludisme. Si on ne fait rien, si on ne se rapproche pas de cette population pour faire la prise en charge du paludisme sain, vous voyez la gravité de la situation. C'est pourquoi, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2020, qui devait se dérouler normalement le 25 avril, nous avons planifié plusieurs activités. La mobilisation communautaire avec les leaders communautaires, la sensibilisation de la population avec les ASC qui ont sillonné les ménages, et enfin, la consultation en stratégie avancée dans 4 parties préférées. Toutes ces activités, c'est pour booster la lutte contre le paludisme dans le district sanitaire d'Azopé. Malgré le contexte, COVID, le paludisme est là. C'est ce que le ministère de la Santé a compris. Il fallait que nous allons encore à la tâche, que nous retenons au travail, pour continuer à sensibiliser, pour continuer à lutter contre ce paludisme-là. Ne pas que nous soyons surpris par une recrudescence des cas de paludisme. Vous avez été choisi ce matin pour aller animer les équipes qui vont se positionner à travers la ville. Les infirmiers auront à voir des personnes, dépister des cas de paludisme et les mettre sous traitement. Les sages-femmes pourront amener leur activité de consultation, de CPM, parce qu'il y a les unités mobiles. Vraiment, c'est une manière pour nous de rattraper aussi certaines choses, de rattraper les populations, d'aller vers les populations. De plus en plus, c'est ce qui est demandé, que vous vous rapprochez des populations. Vous aurez à votre disposition les intrants qu'il faut. Les intrants qu'il faut, c'est-à-dire des TDR, des TDR, des CTA, que vous allez utiliser à bon escient. Ça sera les 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi, une conférence importante animée par un baobab. Un de nos maîtres, le professeur Bissam Yéné, que tout le monde connaît plus ou moins dans le milieu de la santé. Et ensuite, le dernier jour, ça sera le coup, avec l'arrivée du ministre de la Santé. Et tout le monde va être mobilisé pour recevoir comment celle-ci vient le faire. En plus de la prise en charge des cas de paludisme, d'autres prestations seront assurées durant cette semaine. Ce sont des choses intéressantes, ça veut dire que c'est à vous de voir. Tout ce que vous pouvez mener comme activité sur place, là, vous pouvez le faire. Si vous voyez que vous avez des enfants à rattraper un vaccin, les vaccins seront là. Et bien avec le carnet. Si vous voyez que même une femme enceinte, vous pouvez faire sa CPN là-bas. Sa première CPN. Mais vraiment, c'est à vous, parce que je dis que c'est à ça qu'on s'en va. C'est le programme PALU, d'accord, mais le programme PALU donne la possibilité à tous les autres programmes d'en profiter. Prévu en avril et reporté à cause des mesures spécifiques à la COVID-19, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, qui est à sa 13e édition, sera commémorée finalement ce vendredi 24 juillet à la préfecture d'Adzopé.